Salut à tous et bienvenue sur ce live. Alors, hop, juste il va falloir une petite seconde. Voilà, le temps de tout bien régler. Voilà, comme ça, ça devrait être correct. Voilà, bon, bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Attendez, je mets la caméra. Par contre, je crève de chaud, donc j'ai enlevé mon pull. Une seconde. Salut Lara, bah ça va et toi? Hop là. C'est bon, j'étais juste en train de mourir de chaud, tout va bien. Ah,
cette application. J'ai l'application comme dans Persona pour lire mes messages. Et c'est juste énorme. Voilà, très bien. Mon appli de SMS maintenant, c'est trop bien. Ça va, les sons sont corrects? Moi j'entends tout relativement bas. Aujourd'hui on va faire Kona. J'ai pas compris rien d'ailleurs. Ah ouais, on a réussi aussi, c'est ça. Hop. Très bien, les sons sont réglés. Ah, j'ai marre de ça déjà. À peine le début du live, je suis déjà en train de crever de chaud. Hop, je monte un peu les sons de la musique de mon côté. Chose qui ne marche pas du tout, parce que c'est pas le bon côté. Hop là, voilà. Tac, 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 tout est bon. Ouais, j'ai toutes mes stats. Faut que je fasse ça, c'est mieux. Alors, on va tweeter. Twitter. Bon, comment s'est passé votre journée? Ah. Ok. Non, attends, ça c'est pas le bon channel. Général. Ok. Très bien. Ah, j'ai une update de Discord, on va la faire vite. Hop, ici. On part en live sur Kona. Ça va être. Ça va être bien. Avec le petit lien, voilà. Discord updater, tout ça, la base. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau alors sur Discord? Je sais pas. Rien. Donc ça va être juste du backlit. Ok, très bien. On peut y aller. Alors, j'ai déjà lancé le jeu. Sinon, je vais ramer. Ok. Cette personne a vraiment autant de subs. C'est une blague. Sub ou follow? J'ai un doute. Attendez, faut que je vérifie ça. Ça me perturbe trop. Alors, je mets bien le son, c'est important. Ah oui, sub. Ok, très bien. Bah écoute. Il y a des gens, tu te demandes comment ils font. Ça me truc. Bon bref, c'est pas grave. Là n'est pas le sujet de ce que je pense de tel ou tel streamer. Hop, juste. Putain, il y a encore des gens qui retweetent. Qui favent mon tweet à Whoops. C'est terrible. Waouh, mon PC a de la peine. Streamlabs. J'en ai, je crevais chaud. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Ouais. Sauf que par ici, ça va, il fait un peu plus frais qu'avant. Airbox. Voilà, lancé. Je vais dire même si j'en ai déjà une, mais non, pas du tout. Ok, ça je sais. Hop, lancé. Et du coup, c'est un peu fermé. Très bien. Et ça, on le baisse. Non, pas ça en fait. Ça, on le met là. Pour avoir le stream. Très bien. Oh, post-pand, faut que je le ferme. Si vous voyez ça,
Enfin, je sais pas si vous voyez ça, mais si certaines personnes voient ça, c'est la merde. On peut fermer aussi. Ok. Hop, hop. Le jeu. Ah merde. J'ai lancé le jeu, mais j'ai pas lancé. Enfin, j'ai pas mis la scène. Voilà. Salut Sucré, comment ça va? Salut As, comment ça va? Je vais finir par penser que t'as du temps libre. Non, ça va. T'inquiète. Mais encore, normalement, je vais streamer plus aujourd'hui. Et suite à un petit souci technique de genre sommeil, bah, j'ai pas pu. Du coup, je suis un peu triste. Parce que sinon, je vais streamer genre comme hier, à partir de... Je me retourne au micro qui est vachement bas. Voilà, à partir de 10, genre 15h, 14h. Ah, j'ai le retour du... du jeu aussi, avec 2 secondes de délai. Attendez, c'est quoi qu'il faut que je coupe déjà? Ça. Écoutez, on va faire comme ça. Hop. Salut Guigui, comment ça va? Chargement. Très bien. Attendez, je suis trop sur le côté. On fait tous les petits réglages. Rapidement. Tac. Si je vais trop loin par là. Ok, il y a un mur. C'est pas vraiment un mur, mais c'est pas grave. Tac, voilà, chargement. 14-15h. Mais il a du temps. Bah je travaille plus vraiment quoi, donc à part développer à côté je fais pas grand chose. Donc on peut dire que oui, il y a du temps. Octobre 1970, nord du Québec. Carl Faubert était le fouilleur professionnel. Ça m'a perturbé. C'est en français. Oh! William Hamilton, un riche industriel, je peux pas conduire. En lien avec une banale affaire de vandalisme. Pas de quoi fouetter un homme. Pas de quoi non plus payer un détective privé pour traverser des heures de mauvaise route. On fouette des ânes maintenant? Le client paye, car l'exécute. Ah, c'est à moi de conduire maintenant? Ah, attendez, problème de touche. Option. Contrôle. Modifier. Véhicule. Remplacer Z. Tout à l'heure, on va s'éclater dans un mur parce que j'aurais pas changé mes touches. C'est bon, les sons sont ok au passage? Au passage, si tu veux passer. Je t'abuse, ça marche. Ouah, je conduis et. Sortir. Oh non. Ils avaient rendez-vous au magasin général. Ça appartenait à son client. Tout le village appartenait à William Hamilton. On va laisser la radio. Waouh, je vais trop vite. On va se prendre un mur. Oh oh, je crois qu'il y a une barrière là-bas. Est-ce que le frein à main fonctionne? Oh merde. Je voulais essayer. C'est la coutume dans ce coin de pays d'en restreindre l'accès. C'était aussi la coutume de ne pas trop y prendre garde et de passer quand même. Ok. Bonjour mon brave monsieur, puis-je passer? Oui, merci. Carl attendait depuis un moment qu'un employé surgisse. E. Ah non, F. Non, pas E. Pas F. E. Pourquoi ça marche pas? C'est quoi la touche? Courir, sauter. Ah non, ok, c'est le clavier. Oh, mais merde. Rétablir par défaut. Oui. Interagir, c'est quoi? Bon, ça c'est bon. Voilà. Merde, y'a pas?
D'ailleurs, ça avait marché avec eux. Interagir, eux. Décidément, aucun employé ne il me faut un truc. Tu pouvais pas éteindre la voiture? Allume feu. Pas du tout. Tab. C'était I, inventaire? Ouais. Consommable, inventaire. Non? Bon, va falloir trouver quelque chose alors. Conduite Borderlands. Oh non, Borderlands, c'était une horreur. Allô? Oula! Attendez, j'ai un souci. Vous l'avez pas, mais moi je l'ai. Ah, voilà, c'est bon. Saurait sans doute qui contacter pour que s'ouvre la barrière, mais ça ne fonctionnait pas. Ah! La ligne était dérangée. Shit! Il faut la ranger. Des masques. Des masques, on peut pas vraiment les porter ceux-là, mais c'est pas grave. Alors, tout là-haut, qu'est-ce qu'il y a? Ouvrir. Ah. Moi, je prends tout. Hein. Et là, je saute. On peut. Ah, c'est le drapeau qui fait tant de bruit. Ah, dommage, on peut pas. Ça aurait été excessivement drôle. Par contre, éteins la voiture, quoi. On peut faire quelque chose? Ouvrir. Ok. Ne sait-on jamais. Il peut toujours y avoir des trucs intéressants. Oula. Ok. Il fallait maintenant que Carl remplisse son devoir. Hamilton l'attendait au magasin général. Ah là là, sacré Hamilton. Range la torche. Merci. Rentre dans la voiture qui fait trop de bruit. C'est bon, je peux conduire? Wouhou! William Hamilton jouissait d'une vaste maison de campagne au cœur des forêts du Nord, non loin de là. Les populations locales... Pas de souci avec la conduite dans Borderlands 2. Oh non, elle est horrible, elle a souri là. Oh. Sortir! D'autres le détestaient jusqu'à manigancer contre lui. Ce vieil anglais riche, prêt à tout pour vous. Ok, il n'y a que le frein, il n'y a pas le frein à main, dommage. Wouhou! On est sur une piste de Trackmania! Avec la voiture la moins rapide. C'est une Chevrolet. Pour ce qu'on savait, Carl, plusieurs personnes avaient de grands motifs de s'en prendre à William Hamilton. Jusqu'ici, on n'avait attaqué que sa maison. Mais bientôt, pensait Carl, on s'en prendrait aux riches industriels. La radio est cassée. Quelqu'un a cassé mon antenne. Alors, arrête de reprendre le contrôle. Waouh! Avec cette histoire de fait qu'on Discord. Si tu veux, ouais. Non, c'était pas dur, mais c'était... je veux dire, t'apprends à conduire dans tous les jeux de la même façon, ZQSD. Et d'un coup, on te dit, non, c'est pas comme ça. C'est autrement. En 3 secondes, tu dois tout oublier. J'y arrive pas. Carl devait sortir de là. Oh, il neige beaucoup d'un coup. Éteins ce putain de moteur. Connard. Ah, 900p, monsieur. Eh oui, Az. Depuis au moins 3 streams, la 900, elle est revenue. Je peux pas... Oh. Bon, ça va, j'ai des clopes. Mais en mieux, ok. J'ai plus masse de clopes, hein.
Ok, on va falloir se déplacer. On va aller voir lui s'il y avait quelque chose. Le chauffeur avait des guerres. Ah, tu m'étonnes. Il fallait tout de même fouiller, ne rien laisser au hasard. Nickel. Carl avait besoin d'assistance. Ah putain, à chaque fois je me plante de touche. C'était une petite boîte verrouillée sur la non mais... se lisait, gravé finement, WH. Carl songea à la prendre. Il ne fallait rien laisser au hasard. D'accord, bonjour Isabelle. Bon allez, on se tire. En pleine campagne, il restait à espérer qu'un garage abandonné ou une fermette borde la route. Sa survie en dépendait. Bien, bon, oui, ça marche. Je peux plus avancer. Carl n'était pas du genre à se plaindre. Ce sont pas des petites blessures qui arrêteraient son... Ce sont pas de petites blessures. Je sais très mal faire l'accent, mais c'est pas. Pourquoi? Ça marche pas. C'est un jeu nous venant du Québec, hein, ça s'entend. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Ah, peut-être par là. Ah. Toc toc toc. Ouvrir. Fuck le toc toc. Toc toc, c'est pour les faibles. Allumette. Ah non, allumé. Une chaîne. Voilà mieux qu'il ne pouvait l'espérer. Carl Faubert s'en sortirait une nouvelle fois. En route pour de plus grandes aventures. En route. En route, compagnon. T'as peut-être oublié d'allumer le feu, non? Ah, il manque des trucs. Ok. Oh. Oh! C'est le même bruit que dans... Que dans... Merde. T'incarnes un voleur? Ouais, c'est ça. C'est le même bruit que dans... The Final Station. Le bruit de la porte. On se réchauffe. Voilà, on a chaud. On est content. On se casse. J'ai... On chie avec la touche F. On reprend une bûche au cas où. J'aurais peut-être dû me heal là-haut. En bas plutôt. Y'a rien ici. Bon, du coup, on va retourner dans la petite maison. On va vite fait se heal. Vu qu'il y a du feu. Vite! Oh chaud! Non, pas tab. Tab, c'est la torche aussi. Nickel, on va bien. On peut se casser. Mais arrête avec ta torche, putain. Hop, et on laisse bien ouvert. Bon, du coup, par ici, il n'y a plus rien. Et donc, au niveau de la voiture, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Elle ne bougera pas sans aide. Oh, j'ai trouvé une... Ok. On va quand même aller voir par là. J'ai trouvé une chaîne. Ça peut être utile. Elles sont pas sorties? Ah. Faudra que je regarde ça. Parce que normalement, je les ai uploadées tout. J'ai encore oublié quelque chose ici. Par contre, les jeux qui te donnent zéro aide, bon, voilà quoi. Le jeu est censé durer 5 heures. Ok.
Non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Qu'est-ce que je fais de ma chaîne? Poser les chaînes. Ah! Très bien. Bon, une chaîne, c'est bon. Ah, ça marche tout de suite mieux. Ah, y a pas à dire. Tout droit. Peut-être pas une bonne idée d'aller si vite vu la neige. Carl était heureux. Il put enfin débloquer sa voiture. Oula. Ça glisse un peu, hein. J'ai un peu de mal à la tenir droite. C'est quoi l'histoire de ce jeu? Ok. Je sais pas, je viens juste de le commencer. C'est la première fois que je le fais, donc je découvre. Oh oh. Ah, ça charge. J'ai cru que mon PC avait freeze. On dirait un simulateur de conduite sous neige pour le moment. C'est ça. Il est pas Cyrus Proof ce jeu. Mais si, regarde, easy. Tout s'est très très bien passé. Par chance, il trouva une station, une pompe à essence. Éteins-moi ce putain de moteur! Ah. Tape dans le fond, je suis pas de mère. À reconnaître son employeur. Il avait été assassiné. Il ne fallait pas être détective pour le constater. Mais il fallait être détective pour noter que le tueur se tenait tout près. Que le coup avait été porté sans que la victime ne se défende. Oups, raté. Photo. Nickel. On aurait dit qu'une explosion avait soufflé dehors. Allons prendre des photos de ce qui de l'explosion qui a soufflé dehors. D'accord. Très bien. C'est peut-être pas bon là ce que je vais faire. Habitué à surprendre les époux de clients en flagrant des délits d'adultère, le Polaroid était depuis longtemps le fidèle allié de Carl. Il a toujours un portrait à croquer de toute manière. D'où venait l'explosion qui a soufflé? Passage du 27. Ah ok. J'ai regardé alors. Donc du coup, c'est l'épisode 13 qui est pas sorti encore. Bon, on n'y voit pas grand-chose. J'ai failli marcher sur le mec. Enfin, c'est ce que j'ai essayé de faire par définition.
Ok. Comme le savait Carl, Gilles Lachance tenait le magasin général. Ça faisait de lui un employé de Hamilton. Un employé fort mécontent, comme Carl pouvait en juger. Ok. Ça marche pas. À voir le registre, on dirait bien que tout le village vivait grâce au crédit du magasin général. Carl vit là plusieurs bonnes gens qu'il voudrait bien visiter. Merde. Plusieurs bonnes gens. Hop. Mais le générateur ne fonctionne pas. Oh. J'ai pas le tape. Oh! Un problème de filage. Ça me tue, ça. J'ai vu du tape dans le coin. Ah, mais on voit rien. Dans la noirceur, il est conseillé d'utiliser. Oh, mais c'est vrai! Putain, elle me fait chier depuis tout à l'heure. J'avais vu le tape. Mais ça marche pas. Mais je suis pas fou quand même. Je l'avais bien vu. Inventaire. Consommable. D'accord. C'est l'épisode 13. Ok, c'est le dernier qui est pas encore sorti alors. Faut que je regarde pourquoi. Hop. Bon, est-ce qu'il y a du tape dans le coin? Ça sent le propre. Ok. Ça marche. Bah sinon on peut pomper l'essence de celle-là. Hein. Là, c'est clairement les mêmes bruits que dans TFS, c'est terrible. On va prendre une bûche. Qu'est-ce que c'est? Parfait. Il y a un truc sur la photo. Ah, c'est les traces de pas. Des empreintes. Carl avançait de surprise en surprise. Était-ce un défaut de l'appareil ou une piste à suivre? Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, pressentait Carl. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Oh! Ah, ce son par contre terrible. Il n'y a plus de traces.
Ah, je suis coincé. Soudain, ce fut comme si Carl s'évanouissait dans un monde de rêve. Il se sentait sombré dans une dimension froide où tout échappait à son contrôle. Oh, il s'est fait aggro. Ok, ça s'est éteint. Donc faut aller par là maintenant. À quoi remet donc ces chiffres gravés dans le métal ? Ok. Une nouvelle piste s'ouvrait soudainement devant toi. Ça sert à quoi d'être là, de... Je veux dire, je coupe la caméra, je coupe le micro, c'est bon. Le jeu, il explique tout pour moi. Pardon. Bon, on peut dire que Gilles Lachance n'a pas eu de chance. Bon, réparons le problème de filage. F. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. D'accord. Donc maintenant, est-ce que ça marche ? Non, je crois que j'ai juste allumé le garage. Ah ! Ta gueule. Est-ce que maintenant ça ? Non. Toujours pas. C'est dommage. T'es souhait. Merci. Je suis coincé. 360. Et par contre, t'éteins pas la voiture pour faire le plein. D'accord, c'était rapide. On se casse. Carl sut tout de suite où trouver ce furieux Gilles Lachance. Une bonne enquête devait assurément commencer par là. C'est parti. Waouh. Oula, ça a cassé ici. Non, c'est bon. Youhou. On fait des petits sauts. J'ai aucune idée d'où je dois aller du coup, mais c'est pas grave. Ça marche. Roule un peu plus au milieu. Merci. Cette voiture n'adhère pas beaucoup, hein. Ouah ! Tout va bien. J'ai freiné. Ouah ! Les virages sont traîtres par ici.
Ah. Chargement. C'est qu'on est dans la bonne route. On attend le chargement. Ah, j'ai un problème. Par contre, ce goût, il est... Ah. Tu peux drifter? Non, j'ai pas de frein à main. J'étais occupé à autre chose. J'ai pas de frein à main, donc je peux pas. Limite, on va plus vite en reculant, quoi. C'est terrible. Bon, une seconde. On peut pas éteindre le moteur. J'ai un problème ici. Voilà. Vous savez l'odeur du produit à chiottes? C'est pareil. Alors, j'ai apprécié certains de leurs liquides chez... c'est quoi le nom? Je sais plus. Chez Zap. Mais celui-là, il est vraiment pas ouf. Désolé pour la fumée. Ça aurait pu être drôle, tant pis. Ouais. Voilà, maintenant j'ai un goût de bonbon à la violette et de chiottes. Ça te produit à chiottes. C'est pas ouf. Fin de la route! Comment rentrer chez quelqu'un? Ah merde, ça marche pas. Dommage. Il y a des traces de pas déjà. Ici, là. Qui monte là. Est-ce qu'il y a du courrier? Oui. Ok. Voilà, merci. Les gens dans le coin protégeaient leur bout de rue comme un chien défend sa bande fontaine. Ok. Rentrons la voiture. Ah bah non. Visiblement, on va la laisser là en plein milieu. Les cigares, ils arrivent. En voilà une voiture qui irait plus très loin. Ah bah. Oh. Regarde. Ah. Ah, le joli bidule qui vous repose les nerfs. Sauf que dans ce coin de pays, avec le vent qui se pose jamais, ça irriterait même le plus âme des mâles. Quand ils arrivent? Bientôt. Je sais pas quand est-ce qu'ils arrivent, je suis pas à la poste. Oh. Sans doute qu'il a un caillou dans la tête. J'arrive pas à taper le coca. C'était un bidule bizarre. Entre la passoire et le séchoir de coiffeuse. Ça servait à quoi? Jouer au téléphone? Protéger contre les ondes nucléaires. Ok. On laisse grand ouvert. Pas besoin de fermer. Bon, ça par contre, ça me saoule.
Ça m'a jamais reposé les nerfs. Ça m'a toujours énervé. Endroit parfait pour tondre sa pelouse. J'avoue. En se fiant au plan, Carl supposait que les pièces du bolide étaient éparpillées dans les alentours. Ok. Oula. Ok. Pourquoi revêtir ainsi sa maison de tombe? On aurait dit qu'on essayait de se protéger de quelque chose. Des ondes, des rémanences nucléaires. Dur à dire. Waouh. Tu les as postés? Ouais. Attends, déjà un autre problème là. Voilà. Mon retour est immerdé. Salut, comment vas-tu? Oh. Vu comment ça bouge, il donne un coup dedans et c'est réglé. Ok. Waouh. Il devait y avoir là quelque chose de bien important pour que l'homme se donne la peine de le cacher. Mais Carl ne voyait pas trop comment l'atteindre. J'ai toujours du mal avec la touche de l'appareil photo, du coup. Ouais. Il y avait un petit problème, là. Merde. Voilà. Ok, rien de fou. Ah, des phares. Très bien. Ce sera jamais de me surprendre. Du lait vert pour les petits enfers. OMG. Ce troll, dis donc. La machine paraissait encore incomplète. Il semblait lui manquer l'essentiel pour pouvoir prendre son envol. C'était une machine à la forme insolite, assez inspirée de l'architecture de Star Trek pour qu'on craigne que l'objet ait pour but de voyager dans l'espace. Hop. Il faut le reste. Oh, des skis. Ah non, un ski. Mais je crois qu'il n'y en a qu'un. Bon, le mec, il était fêlé, hein, clairement. Il y avait un problème dans la tête. Si quelque esprit intrépide pouvait mettre la main sur les matériaux manquants, Carl aurait été prêt à parier que le vaisseau aurait su s'envoler. Non. Je crois pas. J'ai comme un doute. Qu'est-ce qu'il y a par là? Avec ce froid, Carl
Attendez, j'ai un problème. Je vois plus le chat. Voilà. Ouais, j'ai compris ça. Samedi, je l'ai. Normalement, ouais. Si tout se passe bien. J'espère. Un cabinet. Ah. Ah non. Bah, où il reste? Un phare. Carl reconnaissait la carte de l'endroit, mais que désignaient les punaises? Correspondait-elle à quelque endroit sur sa propre carte? Je sais pas où elle est, ma carte. Merde, pourtant j'en avais pris un des skis, non? I. Ok. Ah, carte. Putain, elle est grande la map. Hein. Bon. On va aller voir autre part parce que visiblement, le reste n'est pas ici. On va aller voir chez le docteur. Peut-être qu'il pourra nous soigner. Carl n'avait pas honoré sa réputation de fouilleur. Les richesses des terres de la Motte lui échappaient complètement. Allez, on va par là. Dommage qu'il n'y avait pas de GPS dans le temps. Ça aurait pu être utile. Oula. Ça tombe trop. C'est quoi cet endroit? Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, chargement. Chez Père Rosal. Hop, dehors. Déverrouiller. Ok, ça marche pas. On va entreposer des objets. Genre... ça. Les bûches. Les photos. Putain, j'en ai pris beaucoup.
douloureux. Carl devait se mettre au chaud. Oh, mon bonhomme! Je m'attendais pas à ce qu'un étrange orthodontiste par ici. Moi, de dire, je prends plus de chance depuis que ça roule dans ce truc-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche! Il a failli me buter quand même! Si tu veux du linge chaud, parce que t'es habillé comme un gars de la ville, je dirais pas non à une bonne bouteille de caribou. Puis tu pigeras ce que tu voudras parmi mes ténés. Ok. Vois-tu le livre là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Le guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Ne vous en faites pas, je ne fais que regarder vos affaires. Et peut-être en prendre une ou deux s'il faut. C'est vrai, le jeune que tu promènes quasiment en popette, une bonne pelisse, ça te fait pas de tort. Mais je dois te dire une chose, dans ton coin de pays comme Parisite, on n'a rien sans rien. Et où, mon caribou? On va le chercher toi-même. Qu'est-ce que c'est? Pfft. On n'écoute pas de musique en ayant la carabine à la main. Ouais, salut. Ouais, oublie. Ta gueule! Ah, il est chiant ce vieux. Carl avait goûté là aux nourritures de l'esprit. Mais il oublie la réalité du corps. Un corps transi de froid dans ce dur hiver. Voilà, on se casse. Il m'a saoulé lui. Wow. Ça glisse. Il n'y avait pas normalement. Ah, c'est de l'autre côté. Je crois. Ouais, c'est là. Chargement. Bon, on monte en voiture. Hein. Bon bah non alors. Le médecin, on aurait de quoi se heal. Ok. S'il meurt, je prendrai sa place. Très bien. Malgré la bonne volonté du docteur Beaupré, la place ressemblait peu à un cabinet de médecin.
aussi bien un atelier de couture. Ok. Pour les éborgnés, autant que pour les autres problèmes de vue, le bandeau cache-œil était la solution. Carl frissonnait. Il pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Ok. Oula, attendez, j'ai encore un problème. Voilà. Un coup de nuit. Par chance, l'enquête de Carl n'obligeait pas à fouiller la peau. Un manifeste communiste. Il y a peu d'années de cela, ce type d'allégeance pouvait valoir la prison. Et encore, à l'époque, les pays de l'Occident libre montraient les dents contre l'ennemi soviétique. Ok. Pourquoi donc le docteur possédait un tel livre ? Il avait fait ses classes loin d'ici, le docteur Beaupré. Il devait même avoir été parmi les premiers étudiants du nouveau campus à s'établir à flanc de montagne. Ah, ok, les pellicules que j'ai mises, c'était des pellicules vierges, en fait. Faut que j'aille chercher. Il fallait prendre son temps dans ce cabinet de curiosité. Tout importait. Même le décor racontait une histoire. Hop. Alors, tu cours? Merci. Ah bah il y avait des bûches là. Est-ce que j'aurais pu rater quelque chose? Quelqu'un avait perdu ici quelques litres de sang. Carl songea à un accident dans la forêt. Une main de bûcheron taillée à la scie, ou une chasse à l'orignal qui tourne mal. Dans tous les cas, le propriétaire de tout ce sang ne devait pas être allé bien loin. Peut-être même était-il allé directement dans sa tombe. S'il vous plaît, utilisez l'autre porte. Ok. Donc ça doit dire qu'il doit y avoir une clé dans le coin ici pour ouvrir là. Sa belle épouse. C'était le portrait classique du parfait bonheur. Carl reconnaissait cette femme. Ce regard mélancolique. La voiture qu'il avait frappée en trombe à l'entrée du village. C'était donc le docteur Beaupré. D'accord. C'est bien ce que je pensais, cette photo, j'ai déjà vu. Bon. On va aller voir autre part. Puisqu'apparemment le principe c'est de faire le tour d'un peu tout le village. Je coince un peu.
Chargement. Le jeu est classé en quelle catégorie? Je sais pas, j'ai pas regardé. J'aimerais regarder en fait. Ah non, quel âge on vient? Aïe! Bon, map. Là, j'en viens aussi. Oh. Fini de taper, oui. Très bien. Oh, ça marche bien, ça, les pieds. On tourne. On grince beaucoup, la voiture, quand même. Hein. On se casse. Quelqu'un a manqué de temps pour faire sa valise. Ouais. De l'argent dans la jarre. Dommage. Carl aurait préféré des biscuits. Des clopes. Alexandre Blais se fendait en quatre et fendait du bois pour le compte de Cloutier et fils. Ok. Je déteste les télés allumées comme ça. Par contre, ici, l'ambiance beaucoup trop long. Oh! Fais pas ça. Et tous les autres aussi. Fuck. Salut Jay. Putain, ce con m'a fait peur. La clé ressemblait à une clé de cadenas. Il y avait une inscription dessus. Ça disait Cloutier et fils. Comme une compagnie. Il s'agissait de garder l'œil ouvert. Les entreprises n'étaient pas légion dans le coin. Allez! Ok, rien de fou. Bon, on se casse. Ah, mon œil. Très bien. On se demande ce qu'il est advenu du pied. Et on prend une bûche.
j'ai pas le... la clé pour ça. Avec ses gros doigts, Carl pouvait pas atteindre la clé. Hmm. J'ai pas trouvé d'aimant. Putain, c'est grand comme terrain quand même. Hein. C'est con s'il peut l'exploiter. C'est un jeu d'horreur? Je crois pas, non. Là, du moins, c'est pas le principe de base. C'est juste que là, pour le coup, il m'a fait peur. Là, je sais pas, j'ai regardé vite fait. Store page. Oh. J'arrive pas à cliquer. Voilà. Il est classé dans quoi? Aventure. Pas horreur. Salut Neyo, comment ça va? Tant pis pour une prochaine fois. Dommage. Merde, c'est par où? Non, c'est bon. C'est par là. Ensuite, il y a quoi sur cette route? J'ai dépassé un truc déjà. Il y a une voie. Il y a une maison tout en haut, on va aller la voir. Ah, chargement. Attendez qu'ils soient en stress. Ah bah la maison de tout à l'heure, c'est le meilleur moment. Parce que putain, tout en haut, bah justement quand le truc est tombé. Ça aurait été un truc genre perfect timing. Oh, mais j'étais mort. Ouch. Mais je passais là pourtant. What the fuck? Il y a peu de temps que la voiture s'était enlisée. Où diable pouvait être passé du propriétaire? On avait joué de l'arbalète, qui est un jouet dangereux. Ça peut crever les yeux, ça peut crever les pneus. Ça peut vous tuer un homme si c'est bien décoché. Ok, rien ici. Manuel du garde forestier. On aurait échappé ça dans la fuite. C'est vers là qu'on courait, dans les bois. Carl se sentait comme un chasseur sur les traces d'une proie. Hmm. Mur de glace. Ah ouais. Oh! Ah, oula. Connaissait bien ces images flottantes. Se demandait cependant ce qu'elle pouvait faire du bon. Hey, moi je suis bravo. Il y en aura bientôt d'ailleurs. Normalement, à partir de ce week-end, il y a une compète qui commence avec quelqu'un chez moi. Et on fera peut-être du beau du coup.
Qui êtes-vous? Et vous, qui êtes-vous? Carl sentit le froid battre en retraite, comme s'il s'éloignait d'un centre de gravité. Allait-il quitter ce monde pour revenir au réel? Sur quel genre? Je suis sûr de savoir anglais, moi. Elle est bizarre cette flèche là, elle est chaude. Genre elle brûle quoi. Genre on peut pas aller plus loin à pied, ok. Ah, ok. Oh. Bon, on va aller voir ce que j'ai raté là, alors. Je crois que j'ai rien raté, en fait. Oui, bah ta gueule, ça va. Je comprends pas vraiment ce que je vais faire, là. Parce que du coup, je serai tout fouillé, mais... Et j'avance nulle part. Les pseudos sur les persos, j'en ai plein. Les serveurs, c'est pareil, je joue sur pas mal de serveurs donc. Wow. Ok, donc il y a encore des trucs par là, on va aller voir. T'es surprimé? Non, pas du tout. Non, si je voulais jouer sur privé, je jouerais sur... Si je jouerais sur privé, je jouerais sur mon propre serveur. J'ai déjà essayé d'en faire. Allez, serveur principal, Turalion. C'est ça? Ouais. Je crois que ça s'appelle un truc dans le genre de souvenir. Je suis pas sûr exactement du nom, mais... Ouais, non, j'ai pas dit que j'étais pas sur les serveurs européens, je disais juste que j'étais sur serveur anglais. Après, faut pas, je peux pas dire que je suis pas super bon sur WoW ou quoi. J'ai plus l'habitude de jouer vraiment en solo, moi, en fait. Et j'ai fait beaucoup de PvE pendant un moment. C'était la maison canadienne classique, mais sans la flopée d'enfants qui grouillaient normalement. Il y a une porte qui grince. Il suffisait d'un coup pour que les Noirs mettent échec et matent les Blancs. La partie a été abandonnée avant son issue tragique. C'est tragique. Même du village.
Clonas. Carl comprit d'un seul regard que Wilfred devait occuper une sorte de poste de garde-chasse. Ok. Des munitions. Il doit y avoir une arme dans le coin. Quoi ? Il n'y avait ici aucun vêtement. Comme si les rois étaient partis avec toute leur garde-robe sous le bras. Oh. Je crois qu'il va falloir aller voir Appy, on avancerait peut-être un peu plus au niveau du jeu. Très bien. D-level. Permettre de douter maintenant. Oh là. J'ai une torche, faites gaffe. Ouf. Je me fais agresser. C'est fini? Ah, j'aime mieux. Mais là, je trouve aussi que c'est n'importe quoi. J'en ai chié pour monter plus de 800 et maintenant je me retrouve à 300 aidés et ça me casse les couilles. Bon, ok, pas moyen de passer du coup. Est-ce qu'il fait chaud là-dedans? Ouais. Je suis coincé. J'ai envie d'essayer un truc. Ah bah non, ça passe pas. Je crois pas. Attends, je vais quand même tenter. Moi, personnellement, je trouve que le risque, c'est n'importe quoi. Celui-là, il était complètement pété. Ça marche pas, dommage. Je vais aller les écraser. On fait quoi si on va par là? Genre si on se barre. Ouais, mais je veux dire,
Je veux bien descendre, pour pas qu'il y ait des milliards et des milliards. Mais quand d'un coup, tu passes de taper de 200-300K à taper du 300, ça fait mal quoi. Ouais, si y a Mlara. Moi perso, je trouve que juste que c'est complètement abusé. On va aller retourner voir là si j'ai raté quelque chose ou pas. Ouch! Tout va bien. Ouais, mais c'était pas si abusé. MOP. C'était ok. Ils ont fait ça à chaque extension. Je veux bien, mais. Compliqué de faire autant abusé que ça, quoi. Merde, j'ai oublié de passer. Voilà. Merde. Ah non, c'est bon. Un beau portrait du magasin au jour de sa naissance. Le magasin La Chance, que ça s'appelait. On sent que ça appartient à une autre époque. Ils ont l'air fiers, ces chasseurs-là, d'avoir tué une bête au beau pelage. Avec des hommes comme ceux-là, se dit Carl, il n'y aurait plus un loup sur le continent d'ici 10 ans. Un saut comme celui-là, c'était irréel. Le gars sur la motoneige ne ferait pas vieux os avec des acrobaties pareilles. Ok. Sans blague. C'est quoi? Bœuf sèche. Ah, beef jerky. Ah. Ça, c'est bon. Que devait contenir cette enveloppe? Carl était interloqué. Il reconnaissait l'adresse. C'était là, disait-on, que le service secret du Canada avait sa boîte postale. Carl sentit alors un frisson le traverser. Une peur effroyable l'envahit. Si Hamilton était mort, qui allait donc payer? Ok, j'ai fait le tour alors maintenant. Pas vraiment. Ah bah on va aller retourner voir le vieux avec ça. Oh! Ça, je ne le savais pas. Par là.
Qu'est-ce que ça fait là ? Se demanda Carl. Hamilton devait vouloir garder bien secrètement une information pour ainsi poster une clé. Ça ne lui a pas porté chance. Tout s'éclairait. Un pauvre Hamilton avait été interrompu dans sa dénonciation. Il avait cru bon de tout verrouiller, d'envoyer la clé à son correspondant et de mettre la boîte à la poste plus tard. Habile, mais pas assez. Voilà où ça mène les gens ordinaires. Ouais, on verra. Oh putain, j'ai un souci de retour. Voilà. Un riche patient pour faire la révolution. Cette histoire ne tenait pas debout. Il fallait creuser, fouiller, comprendre. C'était justement la spécialité de Carl Faubert. Très bien. Le magasin et ses alentours n'avaient pas livré tous leurs secrets, présentait Carl. Tu fais chier. Il n'aimait pas passer à côté de quelque chose. Seconde, je viens de remarquer un truc. J'ai plus mon... À la photo ou pas ? Ça semble visiteur. Quoi ? La photo en bas ? La photo en bas de... Qu'est-ce que j'ai bien pu rater ? Bio, mais c'est pas visiteur, c'est comment ça s'appelle, le dernier bar avant la fin du monde. Comme une sacrée différence. Attends, on va allumer l'électricité ici. Ah ouais, aussi c'était un peu la base du montage, c'est Gary King, c'est Green qui l'a fait ça. Le garage et le magasin ne pouvaient être alimentés en électricité au même moment. La note livrait là un sage conseil. La barre à clous était coincée sous le chariot. Même en mettant tous ses muscles à profit, Carl ne pouvait espérer la tirer de là. Ah. Carl pouvait enfin mettre la main sur la barre à clous, ce dont il ne pouvait vraiment se priver. On a toujours besoin d'une barre à clous. Paraclou. Bon, cette fois, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Ok, non, c'est qu'un... Je crois que c'est bon.
magasin et ses alentours n'avaient plus de secret pour Carl. Le fouilleur avait fouillé. Prochaine étape. Prochaine à gauche. Rien de plus. Non. Ah bah ça brûle toujours ici, c'est bien. Qu'est-ce que j'aurais bien pu oublier? Carl frissonnait. On pouvait imaginer la douleur causée par la lame du scalpel. Et dans ce cabinet misérable, il sentait que le patient devenait vite une pièce de viande à charcuter pour le bonheur de la médecine. Rien oublié, non. Un coup de nuit. Par chance, l'enquête de Carl n'obligeait pas à fouiller la tombe. Il avait fait ses classes loin d'ici, le docteur Beaupré. Il devait même avoir été parmi les premiers étudiants du nouveau campus à s'établir à Flamme-Montagne. Le miroir frontal servait de lampe au médecin en réfléchissant à la lumière vers les cavités du patient. C'était inquiétant, mais la médecine en général était inquiétante à cette époque. Bah non, j'ai rien, j'ai fait le tour ici, enfin du moins l'intérieur. Ça marche. S'il y a DJ. Sacré terrain aussi. Oh. J'arrive pas à monter. Ok. Chargement. Ah.
avait plus à voir avec une porcherie qu'avec une maison. Ça sentait le lait caillou, les alcools d'alambic et le chou-fleur du goût. Régent Blouin. C'est comme ça qu'il s'appelait le cochon de la place. Ça puait le vieux vomi qu'on aurait épongé et laissé vieillir. Quand on se demandait comment on pouvait vivre avec autant de charogne. Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand ferrailleur qui trouve son cuivre, où il peut, et sûrement des fois, sans demander la permission. Le métal roux, ça se vend dans le temps de le dire. Carl devinait bien que le propriétaire des lieux ne faisait pas une collection de cuivre. On avait affaire à un brigand ferrailleur qui trouve son cuivre, où il peut, et sûrement des fois, sans demander la permission. Le métal roux, ça se vend dans le temps de le dire. Il y avait juste un fou pour préparer son whisky blanc dans sa maison. Il risquait de crever 10 fois par jour intoxiqué par les relents d'alcool. Carl savait maintenant comment abreuver le vieil ivrogne. Carl espérait un jour mettre la main sur du caribou, il ne pouvait espérer mieux qu'une telle distillerie. Avec un champ de tir de main, il ne fallait pas que le tireur ait la berlue. Parce que ses balles se seraient perdues vers la route et auraient pu tuer le premier passant. C'est sûr, son jacquard. J'avais pas beaucoup de passants dans le coin. Ouais. Avec ce froid, Carl sentait déjà plus ses orteils. Okay. Oh. Oh.
Il manque une clé. What pourrait être? Carl tiendrait pas plus longtemps. Le froid le cuisait. Il fallait qu'il se réchauffe. Bon, j'ai compris. C'est bon. Bon. Mais ici, je crois que j'ai fait le tour. Quoi ici? Aucune idée. Oh. Ok, c'est chez le vieux. On va faire le tour. Bon courage. Oh, la belle pétarade. En 17 que c'était. Et le Kaiser, il se souvient de moi avec ma belle carabine. Bang, bang, que je lui disais. Bang, bang, bang. Oh, le bon temps. Tu vas parler. Ouais, celui-là. Ah. L'inventaire est plein.
Ah oui. Carl croyait avoir besoin de protection. On va couper un arbre. On peut le frapper avec le vieux, ça pourrait être drôle. On va faire un vieux ticide. C'est triste, ça marche pas. Bon. Ah, je vais faire une petite pause, genre 5-10 minutes. Oh putain, faut être descendu. Oh. Pardon. Faire une petite pause, 5-10 minutes max. Oh, je reviens juste après. Mais par contre, après, on va peut-être changer, on va peut-être faire un peu de montage ou un truc dans le genre. Bon, allez. À toutes. Je vais vous mettre de la musique. Oups là, ça c'est moi qui ai bougé. Je sais pas ce que je peux mettre. Je sais pas, j'ai mis un truc au hasard. Allez, à toutes.
talk about another kind of world. What are you afraid of? I'm lost in old ways. I'm not afraid. Well, there goes nothing. Et re. Bon, on est parti pour faire un peu de montage, du coup. Hop, je vais changer ici. Voilà, ce sera mieux. Déjà, je vais quitter le jeu, ce sera pas mal. J'espère juste que ça save automatiquement. Qu'on le quitte. Ah. Non, attends, je sais pas comment on sauvegarde. Ça doit charger, ça doit sauvegarder auto. Hop. Ah bon. Alt F4. Alors, le jeu ne veut pas se quitter. Première. Putain, je suis pas fatigué. Ah. Bouteille qui est tombée. On va faire du montage Soma. Ah mais c'est vrai qu'il faut du coup, il va falloir que je reset ça. L'interface. Parce que sinon, hop, je vais juste faire du coup pour le montage ça. Il vous manque un bout, genre ça. J'ai déjà un peu commencé. J'ai pas de son. J'arrive, je fous le bordel. Oh là là, il fait des calculs. Hein. Il est en train de compiler un programme craqué. C'est ça. Bonjour. Bonjour à toi. Désolé, j'ai un peu de mal à compter. Allez, on y va. Ah, non, c'est bon. Bonjour, d'accord, ça marche, petit. Bonjour, bienvenue à toi. C'est chiant, c'est chiant.
Je crois qu'il y a un décalage avec ma voix. Cheese. Ah, léger. Par contre, Nightbot il parle beaucoup trop. Mais ça va. Et là, le jeu crache. Hop, petit cut. J'ai juste déclenché un script. Même en vrai. Par ici. Waouh, putain, il m'a fait peur ce con.
si ça me rassure ou si ça fait encore plus peur. On tire. Oh chut. Contrôle. Ok, ça reste. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oh chut. Putain, il m'a fait peur. Vous avez quelque chose? Apparemment oui. Quoi, c'est de la fiction. On va partir vers le tour finalement. Je vais comprendre un bel endroit. Chose qui n'arrive pas tous les jours. Pardon, tu as un peu peut-être. Non, là-bas, je crois pas arrêter. Je crois qu'il y a rien. Et là-bas? Bah, il y a un omni-tool. Okay. Donc apparemment, il nous faut vraiment un omni-tool. Ça, c'est ce qui est sûr. Bon, on va débloquer ça alors. Ah, c'est ça le micro. L'interface avancée conçue pour les systèmes informatisés et assure la gestion et leur contrôle. Hein, assure la gestion et leur contrôle, pardon. J'ai cru que je voulais dire quoi derrière moi. Ok, bon. Ça me servira à faire des trucs. Voilà, c'est mon mini-tool. Pour afficher votre volontaire depuis les tables. Pour afficher juste le micro. Allez. Du coup, vous pouvez par là. Mais ça, je pense pas que c'était censé être une porte à la base. Apparemment, c'est les deux. Ouais, voilà, fermé. J'ai pas confiance. Il y a une alimentation. Dégage. Le système accès à distance refusée, avertissement savoir online en ligne, pardon. Avertissement, alimentation principale suspendue, lancement d'installation, programme de fiable refusé, copie très récent. C'était votre projet. Pour le scan, il y a une outil, il y a moi. Ok. Plus outil, on a serré très bien. Plus cortex, votre outil, orientation. Oh, pardon. D'accord. Salut, Yannick, comment ça va? Ça va, tranquille. Ok, salut, vieux. J'ai plus une idée qui est tuée. Est-ce que je peux reprendre? Non. Mettre à jour. Ça fait un bruit. Je l'ai retiré. Je peux remettre? Non, ah! Effectivement, ça peut être très long. Non, c'est vrai. Et du coup, je casse. Effectivement, il paraît que rentrer dans l'hôpital, c'est pas forcément fou. Mais t'as tout de suite. T'avais pas le truc avec l'électricité ici? Ouais. Non, on peut pas l'utiliser. Très bien. Dommage. Ouais. Je crois qu'on ferait mieux de se barrer. C'est par là qu'il y avait le truc de balayer le kit, pourquoi passer? On va finir là. Ça m'a l'air d'une porte. Shit. Je pars à toi, à côté, pour voir l'électricité. C'est là? Ouais, c'est là. C'est quoi ici?
Ok, monsieur, je te fous la paix. Parfait. Un peu de latin. Oui, ça arrive. Oui, vas-y, les gens sont secrets. Pourquoi il y a... Oula, j'ai appris ça. Pourquoi il y a ce genre de choses là-dedans? Je veux dire, il y a personne qui t'a jamais. On est dans un tuyau, dans un conduit, pardon. Il n'y a rien qui peut nous arriver dans ce conduit. On essaye, ici. Il n'y a peut-être pas peut-être que ce jeu de repères arrive. Non, je crois que c'est un fou. Non, je sais pas. Pourquoi mettre tout ça dans un conduit? C'est tout. Moi, c'est quelqu'un qui passe une façon pour faire les... Exhaust, exhaust, prêt. Conduit, safe, tout va bien. Ok, pas comme là. Pas intéressant. Je sais pas si tu vois que ça marche, on prendrait dans le... C'est quoi ça? Production nouvelle, injecteur, turbine, centre... Hein? Générateur, ok. Voilà. Est-ce que ça peut ça? Hop. Oh, pardon, tu veux que je le remette? Ça marche pas bien. Bon, désolé, hein. T'es un robot, quoi. Fallait me le dire plus tôt. Eh, je me sens. Hein. T'avais l'air parfaitement heureuse. Hein. Séquence de démarrage. S1, S2. Ok. J'arrive pas à lire. Signal insuffisant. Tiens, prends le casque. T'iras mieux. Écoute de la musique. Hmm, ici y a rien. Rien à faire ici. Attends, la séquence de démarrage, c'est pas justement ces boutons là. Raté. Ah! On va attendre que ce soit presque rouge. Tac! Voilà! Turbine, 0 tour minute. Ah! Ah! Putain, je suis ingénieur. Ah, le stream, t'as les replays. C'est pas grave si tu rates un stream une fois de temps en temps. Lisbonne Orly, Cadix Orly, site Delta, site Theta et site Lambda. Il n'y a que site Lambda qui est en ligne. Oh, sale pute de chaise. Bonjour Catherine, qui êtes-vous? Je sais pas. Comment ça, je suis. Ok. Hey, hey, can you hear me? I hear you. Upslot, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In a room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Okay. Au centre de... Merde, je sais plus. Undering the call.
le succès que je viens d'avoir. Oxygène disponible. Ah ouais, à mon avis, c'est juste le... Je pense pas que ce soit qu'il y ait juste plus d'oxygène, sinon je respirerai pas, quoi. Je pense que c'est les senseurs de l'oxygène qui sont pas dispo. Ok, donc ça c'est cassé. Attendez, j'ai vu ça, ça me donne très envie d'essayer. Raté. Oh oh. Peut-être pas par là. Eh, ça me heal, je crois. Oui. Chut. Il m'a vu. Ouais. Décrivez des cercles avec la souris. Oh fuck. Merde. Chit, 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 chit. Aïe. Bien. Aïe. Oh. C'est bon. Tout va bien. We are lost. We are lost. La réalité, c'est ce qu'il ne disparaît pas lorsqu'on arrête d'y croire. Are you okay, Simon? C'est toi. Ça va. I think you're bleeding. Oh, that's nothing. It's just my brain can't stop bleeding from the accident. Ah. Here, take this. No, that's for later, for the scan. It's green.
Ashley, I need to tell you something. Simon, please don't make this weird. No, no, it's not like that. Why now? Who's David Munchie? Why is there never enough time? For what? Christ. Il dit plus mon Dieu. Oh, c'est grave, je n'ai jamais manqué. C'est pas maintenant que je vais en rater. Oh. T'as toujours les replays. Au pire, t'es passé faire coucou. Je veux dire, t'es passé. Lockdown pour nationaux. Ok. Idée. Modifier. Cinq, six, neuf, trois. Ok. Ok. Connexion invalide. Dommage. Ah, c'est là où le truc de com. Allez voir par là. Il y a des trucs qui sont morts apparemment. C'est des robots d'une chaîne de construction. Mais ils ont l'air vachement intelligents pour pouvoir parler. Par contre, ce truc est en train de bosser sur un robot bah, de Jeff. What are you? Are you blind? It's me. Carl. Carl Semke. Wow. T'as toujours les replays. Au pire, t'es passé faire coucou. Je veux dire, t'es passé. Lockdown pour nationaux. Ok. Idée. Modifier. 5, 6, 9, 3. Ok. Ok. Connexion invalide. Dommage. Ah, c'est là où le truc de com. Allez voir par là.
Ah, c'est là où le truc de com. Allez voir par là. Il y a des trucs qui sont morts apparemment. C'est des robots d'une chaîne de construction. Mais ils ont l'air vachement intelligents pour pouvoir parler. Par contre, ce truc est en train de bosser sur un robot bah, de Jeffy. What are you? Are you blind? It's me. Carl. Carl Semke. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Okay. Il est en train de merder sur ton câble. Everything. Did you go diving in sewage or something? Quoi? Mauvaise idée. Ah, c'est de la flotte. Please tell Amy. I need help. I'm sorry, I think I pulled the wrong lever. Oh, don't sweat it. Just get me a doctor. Won't a mechanic make more sense? You're trying to be fucking funny? Give me a medic. Ok, donc c'est un humain qui croit qu'il est un robot. But you're a robot! Really? The robots have legs, hands, a face! You're delusional! Okay, calm down. I won't... Get some fucking help! Get me Holland! Go tell the others! Okay. Très bien, monsieur. Celui-là est complètement taré. Voilà, bouge de là. Ils épandent les vêtements. Terrible. Bah, fallait bien. Hein. Mais bon, ici, je pense pas que ce soit l'endroit le plus approprié. Et quoi là-dedans? Je sais pas. Oh, on court plus vite en sautant. Oh. Je suis pas très confiant. Il y a un endroit pour se cacher. Je suis encore moins confiant. Combinaison pour plonger. Shit. On se casse. Attention à la tête. Paf. Aïe. Aïe. Ils avaient pas mis de panneau. Il était écrit quoi là? Plus grande centrale géothermique du monde. Ok, donc c'est une centrale géothermique. Epsilon, ok. Raffinerie de gaz naturel, usine de robots, bon séjour. Merci. Visiblement, donc c'était la sortie là-haut. Ça, on peut pas passer. Hein. Il y a le levier là-bas qu'il faut que je chope. Ok. Est-ce que je peux réessayer avec la porte? Peut-être. Ouais, donc sinon j'allais dire, j'ai vu le stream de Whoops, il y a un moment je crois qu'on va devoir plonger quelque part. Ouais, j'ai vu. Je me suis pas spoilé parce que... parce que je comptais le faire. Airlock, ok. Y a rien à faire ici, mis à part s'enfermer. Bonjour. Je suis enfermé. J'ai l'impression qu'il y a des bruits de pas. Mais je suis pas sûr. C'est pas aussi gros que les miens. Non. Ah là. Un autre robot. Est-ce qu'il se prend aussi pour un humain? Ah non. The fuck? Ah ok, c'est dans les souvenirs.
ils ont été envahis. Truc dans le genre. Mais ça ne m'aide pas beaucoup. Et du coup, ouais. J'ai déjà vu, il faut juste que je sorte son rayon d'action. Ça ne marche pas. Ok, donc Carl, très bien. Est-ce que... Voilà, merci. Je crois qu'il va, devoir couper, qu'il va falloir couper. Hein. Bon, je crois que je vais m'arrêter là. Je suis pas super bien. Du coup, ben, je reprendrai plus tard si jamais ça va mieux. Sinon, ben, on se retrouvera demain pour du Persona. Bon, allez, ciao.